a-t-il une vie hors de Twitter? C'est ce que va tenter de savoir l'agence américaine Bloomberg, bien décidée à faire de son offre TikTok une marque de médias à part entière. Allow me to show you something. Pour commencer, parlons de TikTok. C'est une offre de vidéos diffusée exclusivement sur Twitter et proposée, créée par l'agence américaine Bloomberg. Comme c'est l'habitude dans ce genre de cas, elle est destinée à convaincre les 25-35 ans qui se sont lassés de la télévision à l'ancienne. 60 personnes travaillent à faire fonctionner la machine TikTok, qui a la particularité de fonctionner 24 heures sur 24, et preuve que le rythme est intense. En août, pas moins de 6000 vidéos originales ont été mises en ligne. Lancé en décembre 2017, TikTok commence déjà à se faire une place au soleil. Plus de 400 000 abonnés à son compte Twitter et 2 millions de vidéos vues par jour. On dirait bien que la mayonnaise prend. Alors, pour faire fructifier ces résultats encourageants, l'agence Bloomberg a décidé de développer sa marque, qui se décline déjà en podcast et dans une newsletter quotidienne. Après une première année dédiée à faire de TikTok une marque d'information crédible, ses dirigeants veulent, je cite, « en faire une marque de news pour la prochaine génération de consommateurs d'information ». On est ambitieux ou on ne l'est pas. Pour monétiser TikTok, Bloomberg a un défi de taille devant elle. Comment retenir l'attention d'un public qui a gardé une mauvaise habitude de la télé à l'ancienne, le zapping? L'an dernier, près de 3/4 des vidéos mises en ligne sur Internet duraient moins de 2 minutes, trop court pour être rentable.